Salut YouTube, c'est une alerte à la masterclass. On vient de découvrir la nouvelle classe, celle qui va remplacer la PPSH. C'est pas une joke, on te met la classe en description et en fin de vidéo évidemment. Pense à liker, commenter, je te fais des bisous. Peace. Bon chien. Bon chien. Allez go, on y va. Il y avait un mec caché dans les buissons tout à l'heure. Allez go. Ok, cool. Il manque 800$ les gars. Allez mec, je vous ai dit que j'allais vous la gagner celle-là. On va la gagner. Ah, on était un peu... Déjà la deuxième balle de quart, elle aurait dû le tuer. Allez go, c'est parti. Là, on est parti pour le charbon les gars. En fait, il voulait juste me voler l'argent du mec qu'il avait tué. Quel égoïste. Quel égoïste, les gars. La 20 kills qui va tomber. Ah, mais là, je viens de me faire enculer en boucle par 3 personnes. En solo, maintenant qu'ils sont tout seuls, on va voir s'ils m'enculent toujours autant, les mecs. PPSH en feu. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. Elle fait ses preuves, la petite arme. Dans tous les cas, il faut que je la up au level max. J'ai l'impression que ce qui m'a servi là, le cuisinier, c'était pas mauvais. On vous donnera la recette dans le chat. Parce que là, j'étais pas très bon. Hop, il m'a servi un petit truc. Un remontant. Mais... Y'a que toi pour te sortir d'un truc pareil. Un cancel slide sur le côté gauche. Un joli mouvement. Bam, c'est réglé. Est-ce qu'il est sur le silo le mec, tu penses? Quoi? Attends. Sachant que je viens de le crack, j'ai touché qui là? C'est toi que j'avais touché. Bon, au moins c'est bien de le savoir, tu vois. Elle fait mal. Elle est cool, hein, ma petite CX9. Hein. Elle est cool.
Je suis très content, les gars, parce qu'on a galéré pendant une heure à la faire. Elle manque juste un peu de mobilité. C'est vrai qu'elle est un peu lourde, mais ça va, tu vois. Ok, apparemment, il y a un mec juste là qui a envie de se la prendre. Est-ce qu'il est rentré dans cette maison? Ou est-ce qu'il est parti dans l'autre? C'est pour ça qu'il faut toujours cogner la voiture museau contre bâtiment. Il y a un sniper qui vient de me tirer dessus. Là, il doit être juste là, les gars. Là, le but, c'est rentrer de la game, les gars. C'est arrêter de jouer à touche pipi et on rentre une vraie partie. Putain, c'est un fantôme. T'es en feu, frérot, non? T'es pas en feu? Attends, t'es... Attends, bouge pas. Je vais te faire une coupe de cheveux. Hop là. Ça, c'est ma spéciale. Si je lui fais un dégradé saignant, les gars. Saignant. Ah, t'es vegan, tu t'évanouis avec ce dégradé-là. 10 sur 10 pour la coupe. J'espère bien. Bitch. Je crois qu'il joue avec des couilles dans le jeu. Yeah, Shoacha, il est là le show. I was AFK, man. How was he on route? Dis. J'en suis croissant. Ton cuistot, qu'est-ce qui t'a mis dans le verre? On veut le secret. Putain, vous voulez le secret de ce que Cyril m'a mis dans le verre? Ça doit être un truc qui booste façon cheval, les gars. C'est quoi son délire? Donc là, il m'a tiré dessus. Harry? Harry Potter. C'est incroyable. C'est encore là? T'attendais que je revienne à ma voiture? Je suis grave content de t'avoir tué parce que vraiment tu méritais pas de continuer la game. Tu me tiens ça, frérot? Oh là là, Nemox TTV. Merci pour les 10 subgifts, mec. Merci beaucoup. Ennemi marqué.
Pas une grenade. Après avoir mis un coup de crosse et un chargeur dans le dos, les gars, faut exécuter, c'est la règle. C'est la suite logique de tous ces événements violents. Bon, je suis à 20 kills, il reste 19 personnes. On est bien. Ok. Alors avant de prendre la prime, j'ai un mec à buter là et un mec à buter dans la prochaine maison aussi. Ah non, deux autres mecs à buter là-bas au fond. Putain, c'est pas tous les jours qu'on a deux mecs à fumer là-bas. Vous pensez que je peux faire les deux? Ouvrir la porte et coller la termite? Je dératise les gars. Chaque élimination est plutôt propre. Je prends vraiment mon temps. Ouais, concentré. Un peu concentré. Bon, allez, trois fois rien. J'ai quand même fait pas mal de lobby. Vous méritez une victoire. Vous êtes l'élite de Twitch si vous êtes là. On n'est pas chez Bernadette qui est en train de vendre son saucisson là. Même si Bernadette, je suis sûr qu'elle fait un très bon sauciflard. Mais je veux dire, est-ce que vous lui... Oui, je t'ai vu. Quoi? Mais tu vas où? Ah, nickel. Voilà, tu as bien vu que j'étais agressif. Le caillou, tu fais un rebond correct? Merci. Tiens-moi ça, frérot, juste. Tu me la tiens 2-3 secondes. Hop. Oh, merci. Oh, et coin toi-même? Oh, si un canard parmi nous deux, c'est bien toi, fils de pute. Frérot, on m'avait jamais insulté de canard. Hein. Ouais, je vous avoue que je l'ai un peu pris à cœur. Je l'ai peut-être mal pris ou mal vécu, mais... Dans tous les cas, personnellement, ça me semble justifié, tu vois. Toi-même je suis en train de tirer... En fait, là, je suis en train de faire tout le bord de... Là, je slay la game, les gars. Je cours absolument partout. Aucun de mes moves n'est vraiment safe ou quoi. C'est là j'ai envie de frag. Incroyable. Le fait de faire péter le C4 l'a débordélisé, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ok. J'ai 24 kills. Si je tue les 6 derniers, j'ai une 30. La zone vient de pop. Opposé de moi, ça va avancer plutôt vite. On va faire au plus rapide. Une bonne nouvelle que tu fasses plaisir avec une nouvelle arme. Mais mine de rien, mais ouais, on est obligé de, tu vois, passer par la phase où on se fait un peu chier à trouver une nouvelle arme et tout. Parce que, mais au final, je vais me régaler avec pendant X temps en suivant, tu vois. Là, on sait que pendant au moins une semaine, 10 jours, je suis tranquille avec cette méta. Alors là, quand on arrive dans une zone comme ça, les gars, où il y a eu beaucoup de bâtiments et tout, la logique veut que tous ces bâtiments vont aller sur le bord de zone là-bas, tu vois. Et donc moi, j'ai que quelques bâtiments et tout. J'ai juste à me poser en mode head glitch et attendre que ça arrive. Si quelqu'un n'est pas déjà placé, évidemment, il va me tirer dans le dos. Là, j'attends que ça arrive et tout. Et logiquement, c'est de ce côté qu'il y aura le moins de monde. Donc de ce côté que j'ai le plus de chances de gagner, tu vois. C'est stratégiquement le plus intéressant. Là, je suis en power pose ici. J'ai une visu forte sur ce qu'il y a en bas. J'ai une visu forte en me head glitchant comme ça. Il faut juste que je clear cet endroit-là ainsi que tout le bac. Donc dans ce cas-là... Et là, en fait, c'est un moment chiant, tu vois. On doit clear le truc. On doit attendre que le gaz arrive. Ça sert à rien, je suis déjà à 24 kills, ça sert à rien de mourir pour en avoir un de plus. La 30, je l'aurai pas. Donc là, tu prends ton temps. Tu regardes, tu prends les infos. Et surtout en restant toujours en mouvement, tu prends les infos. Genre, tu t'appuies pas à un truc à la con. Comme si tu voulais branler un putain d'arbre. Genre, on n'est pas ce genre de personne.
Ok, donc la vision de Dieu était bonne, vu que personne n'arrive avec le gaz là, et on a absolument tout clear. Hop, je clear tout à 200%. Ok, je suis safe. C'est exactement ce que je vous ai dit. Vu qu'il y avait beaucoup de bâtiments là, ils doivent tous être là, tu vois. Là, je suis quasiment certain, tu vois, qu'il y en a un. On va. Et. Ben voilà. Hop là. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer de l'autre côté. Alors, il faut réfléchir. On va passer de l'autre côté. Alors lui, il est horrible. C'est... J'espère... Où est-ce que mon... En fait, là, en faisant ça, je mise sur le fait que il va se faire tirer dessus. Il va arrêter de prendre la ligne. Si c'est bien le cas, je vais pouvoir avancer. Le masque pète au bout d'un moment, c'est logique. On avance tranquillement. Je garde la hauteur. C'est très important de garder la hauteur. Il y a sûrement quelqu'un qui est caché comme un petit rat qui avance. La logique voudrait qu'il soit collé en dessous de moi. Et qu'il y en ait un sur le bateau. C'est logiquement les positions des deux derniers. Ok. J'avais raison sur un. Donc logiquement, si celui du bas a rejoint là le bateau, les deux sont quasiment côte à côte. Hop, pas besoin de trop descendre. On va juste attendre comme ça. Tranquille. Pour le moment, le tuto, ça va, je l'explique bien, il se passe bien et tout. Quel tuto fin de game. C'est, en fait, ça aide à temporiser et à gagner des places. Imagine, vous êtes bloqué à faire que des top 5, des top 10, des trucs à la con. Mais ça vous aide à faire un meilleur top. Alors, je suis resté sur cette hauteur, les gars, pour au cas où, tu vois, si ça repopait en haut. Alors, là, on voit bien qu'à gauche, c'est tranquille. Ce qui va se passer, c'est qu'il y en a un qui se cache dans le bateau. Le mec qui a déjà fait sa rotation, la zone d'avant, il va pas vouloir rester en dessous. Il va sûrement vouloir monter lui aussi. Donc les deux derniers vont se fight entre eux. Et moi, j'aurai plus qu'à tuer le dernier et ça fera une 25 kills. Pour la position, je suis pas super ici. Là, je suis déjà un peu mieux. Bon. On va attendre. Ils vont bientôt se jouer entre eux, je pense. S'ils se jouent pas là, ils vont se jouer la prochaine zone. Je suis stratégiquement obligé de faire moins 1v1 final parce que je suis en extérieur. Et si lui il saute, soit moi je le vois sauter, soit l'autre il le voit. Prochaine zone. Ok. Alors, là il y a un petit risque. En passant par la gauche, il y a un petit risque. Quel est-il? De tomber sur lui, tu vois. Dans le gaz. Non! Il s'est roquette sa grand-mère! Et on peut pas slider dans l'eau! J'ai pas réussi. Il s'est roquette la gueule, je crois. Regardez. Je le para. Je passe. Ah! Dommage. Ah, c'est. De plus avoir de masque et le fait que l'autre soit caché à l'intérieur. Bah, c'est pas grave. Au moins, vous avez compris l'idée. Et j'espère que la game, elle vous a plu, les gars. Ciao. That was amazing gameplay, man. Thank you, Machiavelli. Donc, la méta de mon bordel, c'est ça, les modos. Si vous voulez prendre votre meilleur screenshot.